Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild, épisode 81, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bon bah maintenant, après le dernier épisode qui était l'épisode un peu festif, qui était l'épisode où on profitait de l'occasion pour fêter le nouveau record, là aujourd'hui ça le dépasse du coup forcément. Pourquoi je ne peux pas mettre mon amiibo là-dessus? Je voulais tester un truc mais... Ça veut pas mettre mon amiibo. Ah c'est bon. On va le faire ailleurs. Et bien aujourd'hui épisode 81. Donc ça y est, officiellement le let's play sur Skyward Sword est dépassé. La dernière fois c'était, on l'avait égalé, cette fois on le dépasse. Ça fait plaisir dans tous les cas. Et merci beaucoup pour l'accueil. Vous avez vraiment kiffé, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai vu que l'épisode super long vous avez également fait plaisir. Bon, il sera pas aussi long celui-là, hein, je préfère être honnête, mais il fera toujours une épée. Putain. Mec il lit les trucs, il voit une durée de. Bon, on va enlever le cimetière à 16. Une durée de 30-40 minutes comme d'habitude. Et du coup, 60 hein, quand même. Cadeau de la famille royale au chevalier s'étant distingué par de valeureux faits d'armes. Cette puissante épée est également une véritable œuvre d'art. C'est quand même assez stylé là ce qu'on a eu, hein, je dois dire. Quand même assez stylé. Bon, du coup, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu à la fin de la vidéo. Et comme ça, on fait péter encore une fois les 10 000 likes. Ça me ferait très plaisir. Et puis, à me donner également vos astuces. On a pas mal de choses à faire, notamment toi. Je voulais te parler. Je vais dire vos astuces juste après. Je voulais lui parler. Dis-moi, t'as pas froid dans cette tenue? Les nuits sont fraîches dans cette région, tu sais. Je t'inviterais bien à passer la nuit chez moi, mais je suis en colocation. Il doit rester des... Non, mais c'est... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était parce que c'était elle qui était peut-être censée me parler du 8ème héros là, de la 8ème héroïne. Mais en vrai, comme je réfléchissais, peut-être qu'en fait elle va rien me dire. Comme m'a dit le gars, elle s'y connaît dans les 7 héroïnes, mais peut-être pas sur la 8ème. Donc voilà. Et t'es pas censé faire un cours. Ah, mais c'est peut-être ailleurs que tu fais ce cours, j'en sais rien. Bon, peu importe. Alors, je vais parler rapidement de vos astuces avant qu'on aille leur parler. Déjà, on m'a dit. Tu devrais retourner voir les scientifiques d'Akala et des Limites pour leur montrer la Master Sword. Et c'était Mass Laike. Donc je pense qu'il y a effectivement un truc intéressant à ce niveau-là. On m'a dit, prochaine fois que tu vas au Mont Satori, par rapport aux Rumi là, enfin les petits lapins, tente d'envoyer une bombe. Comme ça, ça explose, ça les touche tous et ça te fait Mass Ruby. J'ai peur que ça effraie le gros, mais pourquoi pas essayer effectivement. On m'a dit un truc aussi, et ça il faudra. Bon, vous savez quoi, on va le tester tout de suite. Voilà, c'est pas grave, de toute façon ça se recharge vite, on a l'habitude. Donc no problème. On m'a dit test, enfin quand tu n'as plus de pouvoir, quand tu n'as plus ton pouvoir, bon certes tu peux le désactiver, mais tu peux aussi voir le temps de recharge exact. Alors évidemment, je pense. Ah bah attendez, là je viens de l'utiliser, donc on va voir. Est-ce que ça va me dire le temps de recharge exact? Attendez, hop 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 hop. Temps de recharge. Voilà, à nouveau réutilisable dans 6 minutes. Donc c'est 6 minutes. Là vous voyez, là ça me le dit pas, mais par exemple je pense que Mipha c'est plus long, hein. Je crois que c'est 20 minutes il me semble, Mipha, on avait vu une fois, donc voilà. Oh toi, toi tu fais quoi? Je t'avais pas vu. Ouais, t'es intéressante toi, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Pas possible. Eh, t'as fini de me regarder comme ça, on peut même plus manger tranquille maintenant. Allez oust, du balai. Oh, très bien. Moi je voulais juste vous voir, mais... Et d'ailleurs c'est vrai que là on est sur les hauteurs. Il y a peut-être des choses sympas, je sais pas. Bon bref, allez. Et dernière astuce qu'on m'a donnée aussi. On m'a dit, lorsque tu glaces un ennemi, il y a un combo qui marche bien en fait, c'est tu le glaces, donc tu lui mets une flèche de glace, il va être gelé. Et dans la foulée, tu lui tires une autre flèche. Alors je sais pas ce que ça va faire, mais apparemment ça fait très mal. Alors peut-être que ça va lui briser la glace ou je sais pas. On va bien voir. Bref, dans tous les cas, maintenant on va parler ça. Donc si jamais vous avez raté le dernier épisode, on a exploré un petit peu toute la zone. Et surtout on est allé voir la reine qui nous a dit... Ok, qui nous a reconnu déjà comme étant le prodige. Donc ça change des piafs qui nous ont pas du tout reconnu nous. Ils nous ont juste pris pour le descendant. Et ils nous ont dit ok, mais tu peux aller dans la créature divine, mais d'abord montre nous que t'es doué. Va nous récupérer le masque du tonnerre. De toute façon t'en auras besoin pour rentrer dans la créature, qui a été dérobée par des bandits. On soupçonne les Gigas. Est-ce qu'aujourd'hui on va aller au repère des Gigas? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir une cinématique avec la prodige? Je ne sais pas. Parlons à Sheriza. Encore toi, combien de fois faudra-t-il que je te dise pour que ça rentre dans ta petite tête? Oui, sauf qu'elle m'a dit. Après, qu'est-ce qu'il prouve? Comment? Bétera? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Sheriza. Je suis la capitaine de ces solates. Mais en fait, j'aurais pu lui dire ça dès le début. Elle va même pas vérifier. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du gang Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Kaltis. Mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter des nouvelles têtes pour reprendre les services. Les recherches. Écoutez-moi, soldate. Cette vaillilienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister.
fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Bah, le truc, c'est que moi, je sais en fait ce qu'il faut faire. De base. Faut que j'aille où là? Faut que j'aille. Ça m'indique directement l'emplacement. Ouais, mais du coup, j'ai pas besoin de vous, je sais. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, du coup, on va pouvoir rusher entre guillemets un peu ce truc. C'est juste que. Bah, de base, on aurait été en mode oh, c'est tout là-bas et tout. Sauf que vu que j'avais déjà trouvé ça en explorant la fois d'avant, il y a quelques épisodes, ah bah c'est bien pratique. Au moins, je suis tranquille. Ah oui, ah oui. Au moins, je suis. Tranquille, tu vois. Plus de problèmes, plus d'emmerde, on est bien. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on va commencer par ça, déjà. On va commencer par ça, tranquillement. En espérant que le fight se passe. Alors là, du coup, on peut repartir sur nos tenues habituelles. Donc on va plutôt partir sur ça, et sur ça. Voilà. Ah, ça fait du bien quand même. Oh! Genre, bah écoutez, ça fait plaisir. On va récupérer ça. J'aime Nox. Alors du coup on risque certainement, il y a eu une lune de sang, donc les Yigas devraient réapparaître. Par contre je sais, ah oui mais est-ce que le truc va s'ouvrir cette fois? J'aurais peut-être dû leur demander comment on fait. Ah je sais pas, on va aller voir, au pire je reviendrai en ellipse, c'est pas grave, on va aller voir tout de suite. Parce que ça pourrait être intéressant. Alors attention quand même, on va reprendre notre épée de légende. Comme ça on a le bouclier aussi, on va changer, on va prendre celui-là, non celui-là. Tant qu'à faire. Et oh putain, j'ai eu peur. Vous m'avez fait flipper. Vous m'avez fait flipper. Alors moi ce que je cherche. Ah voilà. Oh, t'as eu du bol. Oh, t'as eu du bol. Bim. Et bim. Ouais, on n'en parle plus. T'es morte. Donne-moi des rubis. Oh, une banane. Je prends. Je prends, je prends. D'ailleurs, on m'avait dit aussi de donner une banane à je sais plus qui. J'en avais parlé une fois là, il y a pas longtemps. Je sais plus à qui c'était l'histoire des bananes. Bon, en tout cas, j'ai envie de tester un truc qui va être super drôle. Vu qu'on sait qu'il y en a 3 qui vont popper, on teste un truc. Peut-être que ça va pas passer, hein, mais. On teste un truc. Yo! Oh là là! Bim! Allez, merci, hein. Franchement. Ah, vous êtes au top. Vous êtes au top, les Yigas. Franchement, vous êtes au top. Ah, c'est ouvert! C'est ouvert, c'est ouvert. Donc la dernière fois c'était fermé, rappelez-vous. Donc c'est bel et bien ça. Oh, un rubis violet, nice. Toi. Merci, au revoir. Donc c'est juste parce que voilà, il fallait. C'était le temps que la quête se déclenche, entre guillemets. Donc on va pouvoir enlever le petit arc qu'on avait mis là, effacer le tampon. Et on va pouvoir pénétrer là-dedans. Par contre, à mon avis, ça va être chaud. Enfin, on va dans le repère des Yigas, les amis. C'est parti. On arrive. Suce à l'ennemi. Enfin. Alors, est-ce que si je les bats. On continuera de les voir sur les routes et tout. Ou bien genre on s'en sera entre guillemets débarrassé, j'allais dire. Arc à double encoche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là c'est ouvert ici. Noix de coco. Ah d'accord. Non par contre torche. Faut tout éclairer ou ça se passe comment? What? Qu'est-ce que je dois foutre ici? Da fuck. Vous pensez que c'est une histoire de. Je sais pas, genre. À toi d'y aller d'abord ou. Peut-être qu'il me fallait des infos, hein, en fait. Ouais, parce que là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. En fait, vu qu'il y a. Est-ce que je peux pas tout simplement. Genre, le feu. Ah, si, voilà, c'est ça, ok. Très bien. On va foutre le feu. Alors, on aurait peut-être pu y aller avec des torches, mais. Vu que je suis flemmard. Ah ouais, en plus j'aurais dû. Mais ça aurait dû m'indiquer vu que là j'avais un emplacement. Ça aurait dû me. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu trop peur. D'accord, j'ai dévoilé l'accès, c'est cool, mais. J'étais en train de tirer, ouais, tu m'as fait flipper. On va quand même tout dévoiler. Histoire de voir. Hop. Et hop. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des choses au moins? Ah oui. Ah oui, oui, oui. S'il y a des chests à chaque fois, je dis pas non, hein. Saphir brut, je prends. Je prends, je prends, je prends, très bien. Hop, et. Très bien, magnifique. Bon. Du coup, hop, 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 hop. Attention. Ici, il y a quoi? Hop, il y a rien du tout. Je crois, hein. Non, non, il y a rien. Très bien. Oh, alors, oui, je pourrais. C'est vrai que je récupère moins les ailes griffues, les machins, les trucs, mais. Je sais pas, un peu la flemme en fait. Pas non plus. Bon, il m'en faudrait, mais. Mais ce dont j'ai besoin, c'est surtout des ailes griffues glagla, c'est ça? Je crois, ouais, c'était ça.
Donc à la limite c'est surtout ça moi qui m'intéresse. Mais ça il faudra aller dans les zones de neige. Et en plus j'ai mes super bottines de neige et tout, que j'ai même pas essayé, que j'ai même pas eu l'occasion d'essayer du coup, vu que j'étais un peu en mode les mecs derrière moi. Fais voir. Ça me fait des moon boots. Puis on peut essayer ça, ça, ça. Bon, bref, voilà, on a plein de trucs quoi. On va se rééquiper quand même, faut pas déconner. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, là c'est la suite je crois. Ici. Oh c'est quoi? Ah, une serpe coupe-gorge. Je vais la prendre en photo mais je l'avais déjà. Très bien. Et ici. Eh bien rien du tout. Ok, bon très bien, on a fait tous les côtés. Maintenant direction la zone. Attention, oh yeah. On désescalade. Ah attention, je m'attends à me faire attaquer. Peut-être me tromper mais... Repère des Yigas. Ah cette fois on y est. Oula. On va plutôt mettre la tenue de discrétion. Hein, je pense que c'est plus intelligent de faire ça. Ah il y a une Gerudo. Bonjour, hein. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre, tu sais. Mais d'ailleurs tu me vois en mec. Bon c'est pas gênant ceci dit là, on n'est pas dans la zone, dans la cité. S'ils te trouvent ils appelleront leurs camarades. Et là ça en sera fini de toi. Si seulement il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font c'est patrouiller ou manger des bananes. Ah mais c'est ça tiens ce que vous me disiez, les bananes. Lance un banane à des Yigas, vous me disiez. Bah voilà. Quoi qu'il en soit c'est trop dangereux ici. Alors enfuis-toi, je trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. Non, 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 madame. Tu ne t'en sors... Je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais t'aider. Alors, le truc, c'est ici. En fait, il va falloir qu'on les distrait avec des bananes pour ensuite mieux les tuer, je pense. Hein, c'est... Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, tu leur lances des bananes. Serre-toi de ma rage. Ah, j'ai mes pouvoirs, en plus, ici, c'est parfait. Alors, attendez, on va attendre qu'elles reviennent. Je sais pas où est le Yigas qui tourne. Il est là-bas. Alors, et par contre c'est un gros Yigas. Ah c'est comme le chef Yigas qu'on avait vu à l'époque. Vous rappelez du chef Yigas? C'était dans la... C'était au tout début du jeu là. C'était enfin, dans les 10 ou 20 premiers épisodes. Quand on avait... On ne pouvait pas utiliser ça ici. Voilà. Merde. Attendez. On pose ça là. Et pendant ce temps, je crois qu'il m'a vu en fait. Ou alors il a vu la banane. Et pendant ce temps on va venir le tuer en furtif. Enfin, moi je comprends ça comme ça. On devrait pouvoir le tuer normalement en furtif. Ah mais il m'a vu moi. Attention. C'est d'un ridicule. Je peux pas le tuer. Surprendre. Voilà. Banane, nickel. Bon donc on va essayer de la jouer discret. Il n'y arrive jamais dans les Assassin's Creed et autres jeux. Est-ce qu'on va y arriver dans celui-là? Peut-être, hein. Peut-être que dans celui-là on va y arriver. Attention. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a un Yigas qui est là-bas. Il y en a pas d'autres sinon. Là sur ma route en tout cas. Donc, on va voir ça. Est-ce que de là, si j'arrive par là, il me voit? Non, il me voit pas. Parfait. Il me voit pas. Alors. Il n'y en a pas d'autre, on est d'accord. Non, il y a un chest évidemment. Il faut lui lancer. Je vais lui lancer une banane. Au loin, genre. Posé. Il l'a vu. Il l'a vu, il l'a vu. Regardez comme il court. Regardez comme il court. Da fuck. Mec. Hop là. Voilà. En plus, on récupère des bananes à chaque fois. C'est bien, on s'en sort pour le moment. Pour le moment, on s'en sort. Parce que, effectivement, si d'un coup ils arrivent à 15 sur moi. En plus, c'est des gros Yigas. Eux, vaut mieux les taper comme ça. Parce que sinon, sinon ils seraient un peu plus galères, je pense. Parce que c'est des bigs. Bon, ceci dit, vu mes armes maintenant, ça devrait aller. Mais rappelez-vous à l'époque, quand on avait fait celui là au sanctuaire au-dessus de Cocorico, là. Il était coriace, hein. Il nous avait mis très cher, je me rappelle. Et on obtient quoi? Un saphir. Nickel. Il m'en fallait de toute façon pour acheter. Il m'en fallait pour acheter les boucles d'oreilles qu'il me manque. Alors. Alors là, clairement, ça me sert de détecteur, hein, je vous le dis. Clairement. Alors, super, j'ai mon écran qui veut s'éteindre. C'est pas le moment. Merde, vite. Oh oh oh. Pourquoi est-ce que. Il y a un point d'exclamation. Alors, ils m'ont l'air. Ah, ils sont plusieurs en tout cas. Ils sont plusieurs. Alors, attendez. On va aller prendre de la hauteur là-dessus. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais je pense que oui. Ok, ça va me permettre de prendre de la hauteur cette affaire.
Ça va me permettre de... C'est pas mal, hein. Franchement, je kiffe. Je kiffe vraiment là le principe de la discrétion. Donc il y en a un là, ils sont trois, c'est ça, quatre. Il y en a un à chaque coin. Ok, il y en a un à chaque coin. Oh! Les réserves de bananes. Les réserves de bananes. Oh oui, on va pouvoir faire. Mais en vrai, pour la cuisson, enfin pour la cuisson et tout, ça va être trop bien. Vas-y, tu viens là. Tu prends un topaz. Ok. On va essayer de se les faire, mais ça risque d'être chaud. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment aller en prendre un, lui tourner autour, lui mettre un coup. Ouais, ça va être ça, ça va être ça. Alors attendez, on va tenter. Bon, et puis si on se fait repérer, c'est pas, y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave, mais on les butera. Mais j'avoue que j'aimerais bien, ça pourrait être stylé de le faire à la discrète. Alors, on va s'approcher discrètement. Le premier est là, non? Lequel on se fait d'abord? On se fait lui. Lui, il est jouable, hein. Le problème, c'est qu'il y a un mec. Okay. Non, c'est une torche, ok. Alors, discrètement, on va le suivre. En espérant que les autres ne me voient pas. Surprendre. Hop! T'as rien vu. Ok, regardez, il y a tellement. C'est tellement la richesse chez eux. Vu qu'ils pillent des choses, regardez. Hop, opale, ambre. Très bien. Alors, on a lui. On a l'autre là-bas qui tourne. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. La tenue de discrétion va vraiment m'être utile, hein, pour ça. Ça, c'est clair que. Merde, attention. Attention. Ah, par contre, la caméra. Ouais. Ok, il fait le tour. Il fait le tour. Merde. Et merde. Il aura pas le temps d'appeler les autres. Il aura pas le temps d'appeler les autres. T'auras pas le temps. Et merde. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Il m'a vu. Il m'a vu salement. Bon, bah écoutez. Ah, ouais, sauf que là, c'est des gros. Ah, dommage. La discrétion n'aura pas. N'aura pas payé. Dommage, dommage. Mais c'est ma faute, hein, je sais. Mais c'est juste que j'y suis allé un peu trop confiant sur lui. Je pensais que ça passerait. Mais en fait, pas vraiment. Par contre, ils sont coriaces. Hein. Heureusement que j'en ai tué un. Minimum parce que. Voilà, le deuxième, il est pas mort encore. On va faire tout ça. Attention. Bon, après, on fout un peu le bordel aussi. On est dans Zelda, donc c'est bien. Et hop là. Alors, attendez, on va faire ce qu'on m'avait dit. On teste deux gelées. Et dans la foulée. Ah oui, ça a l'air de bien. Ouf! J'ai vraiment, effectivement, le sentiment que ça a bien marché. Par contre, j'avoue que l'arme de. Il s'est régène ou j'ai rêvé? Ça va être chaud en vrai de les. De peut-être arriver à les buter. Ah! Pauvre fou, je croyais vraiment pouvoir te jouer du gang des Yigas. Ah bah on est mort, oui. Donc en fait, non, il faut vraiment la jouer discret parce qu'ils sont vraiment coriaces. Bien, de retour. Alors je suis obligé de. Ça c'est un peu dommage, je suis obligé à chaque fois de tout récupérer. Donc bon, il y a quelques bananes sur la route que j'ai pas forcément prises ou quoi, mais bon, globalement ça va. Par contre, je me suis vraiment aperçu que si on arrivait sur eux en courant, pas en sprintant, hein, juste en courant, ça passait. Hein. Enfin, je crois en tout cas. Bon, on va quand même la jouer fine. Mais ça s'est vraiment joué à. J'ai vraiment eu pas de bol en fait sur celui-là parce qu'il était. Il était grave, grave jouable. Et c'est juste que, je sais pas, il m'a vu au détour d'un truc. Donc on va faire gaffe. Là, je suis bien caché. Vas-y, 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 viens. Parce que c'est vrai que on l'a vu, hein, ils font mal. En vrai, je pense que j'aurais pu gagner. Mais ils m'ont assez vite enlevé mes trucs et tout. Donc c'était quand même pas, on va dire, le truc le plus utile à faire. J'aurais bien aimé y arriver du premier coup. Voilà, lui, c'est fait. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement. Hop hop hop. Alors on se retente lui ou pas? Je pense que lui, je pense vraiment qu'il est jouable lui, c'est juste que je me suis fait. Oh non. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, putain, il est relou lui, hein. Il est relou. Bon, cette fois au moins. Cette fois, t'es mort. Et vous avez vu, je trottinais derrière lui. Hein. Je trottinais derrière lui, donc ça. Donc même si on se fait voir. On a encore une chance, lui c'est le garde de la suite. Ok, donc lui on va venir le faire comme ça. On va lui mettre une banane là. On va lui mettre au loin, on va lui envoyer. Par contre il y a l'autre qui va arriver. Ouais, il y a l'autre qui va arriver. Donc en fait l'idée serait, il prenne sa banane. Et ensuite il repart dans l'autre sens et là je l'attaque. Je pense, parce qu'il y a lui là qui traîne. Donc j'aimerais éviter de, vous voyez. Là il va se retourner tranquillement. Merde, il m'a vu. Bah à la limite c'est pas si mal, vas-y viens voir. Ouais ouais, très très bonne idée. Très, très. Ça peut être une technique, hein. Ça peut être. C'est même une très bonne technique en fait. C'est peut-être le plus simple. Tu viens là et tu fais le dernier. Hop. Bon, le dernier, on va attendre qu'il tourne. Ça va, ça va. C'était un petit écart, dirons-nous.
Par contre, faut pas sprinter. Oh, merde! J'avais pas vu qu'il y en avait un là. Oh le con. J'avais vraiment. J'avais pas vu du tout qu'il y en avait un là. Alors là, ça va être chaud parce que le problème c'est que. Lui. Lui, c'est chaud parce qu'il y a l'autre qui va se retourner dans pas longtemps. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et lui, on va pouvoir se le faire. C'est bon. Ok, si. Voilà. Du coup, je vais juste aller voir ce qu'il y a sur les murs. Parce que j'ai vu ça là-haut. Voilà, avec des bananes, encore une fois. Nickel. On est d'accord qu'il n'y en a plus là dans la salle, les mecs. Il y a ce gros truc. Oh, ouais, j'aurais pu me servir de ça pour me battre aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, globalement, autant dire que ça a été. Donc nous continuons en espérant ne pas se faire choper. Alors genre oh, réellement ça paraît trop beau ton histoire. Pour moi c'est un piège. À mon avis on va se faire repérer. C'est obligé. Genre tu crois vraiment qu'ils vont me laisser comme ça des... Un arc à double encoche on a déjà. Des coffres. Cela peut-être mais... Non c'est pas ça que je voulais faire. Cela peut-être mais là je dis bon du coup les figés. C'est chelou, c'est la... Je l'ai pas saisi. Vas-y, saisis-le. Voilà. C'est la planque, en fait. Enfin, c'est la salle des coffres. Après la muraille FK, il y a quelques épisodes. Maintenant, c'est la salle des coffres. Bah oui. Topaz brut. Ok. Ça, du coup, il y a quoi là-dedans? Oh, il y a un mur à faire casser, non? À faire exploser. Vas-y, soulève-le. Voilà. Il y a un mur bizarre. Il y a une porte qui se... Ah non, c'est la suite de la planque, en fait. Ah ouais, c'est stylé. Genre, si tu actives pas ton truc, tu sais pas qu'il y a un mur à faire tourner là en fait. C'est trop classe. C'est trop trop classe. Tu récupères un saphir, non un rubis, ouais voilà. Ok. Et du coup, là-dedans il y a quoi? Attention, il y a un diamant, banane, putain merde. Et donc ça. Eh franchement c'est stylé, en plus on est vraiment dans une grande zone et tout. Enfin c'est vraiment stylé le repère. Ah, des Yigas. Wow. Vous pensez qu'il y a un boss? Eh. Oh la vache. Ah, oh, c'est un boss. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là où je fais ma sieste. Alors du vent. Hein? Mais tu frottes ton masque? Ce truc accroché à ta ceinture. Me dis pas que c'est la tablette Sheikah. C'est bien elle, hein? Ah, mais alors dans ce cas... C'est toi, Link. Le Minus qu'on cherche partout. C'est moi. Oh, quelle veine. D'ailleurs, on sait pas pourquoi il nous cherche, nous. Notre proie est venue se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti tu fais. Si, parce que... Enfin, il... Non je sais pas parce que quand on s'est réveillé ils nous ont direct attaqué. Mais on n'a pas eu énormément d'explications par rapport à ça. Oh mais attends, quel manque de savoir vivre. Je ne me suis même pas présenté. C'est quoi, c'est le chef des Yigas? Je suis le chef suprême du gang des Yigas. Le beau, le puissant, le seul et l'unique, le grand Koga. Koga comme dans... Comme dans Pokémon. Prépare-toi à mourir. Ok, donc là par contre le combat risque d'être assez... Ah oui d'accord, il a... Ah oui d'accord, très bien. Donc là on a un combat. Ah je le prends en photo, ouais je m'en doutais qu'il allait falloir le prendre en photo. C'est bon, il me l'a pris en encyclopédie. Alors attention, alors attends, on va se changer déjà. Stylé le combat de boss. Ça ressemblait clairement à une arène hein. Ça ressemblait clair... Mais en gros ça nous aura fait un mini donjon. C'est stylé. Alors ok, il utilise des différentes techniques. Ah je ne peux pas le figer. Ah ouais d'accord, t'es comme ça. Ok. Why not. Du coup, ah ouais du coup ça va être chaud de le toucher. Ah par contre, je peux peut-être. Je peux pas non plus. En gros mes pouvoirs sont inutilisables sur lui. Si je comprends bien. Voilà, là je l'ai touché. Et maintenant. Ah. Et maintenant, voilà, on l'attaque. Ok. Bon, il m'a pas l'air. Mais il est un peu ridicule. Ceci dit, attends, on a moyen de lui faire tellement mal en fait. Non, on va le défoncer. Regardez. Regardez comme ça va être ridicule. Attention. Vous êtes prêts? Hop. Et alors là les amis,
Bim. Ah, ah bah non mince, parce qu'on a fini la première phase. Ça paraît c'est trop simple. Ok, là il est vénère. Là il est vraiment vénère. Allez viens, vénère-toi. 1. Très bien. Je ne peux toujours rien faire par rapport à ça. Non. Et là non plus. Est-ce que je peux te les faire péter? Te les faire... Au pire je fais ça. Je l'ai touché. Ah, je l'ai touché. Non mais les gars, en fait il veut faire le show, mais il est pas il est pas incroyablement incroyable. Merde, attention. Vas-y. Attention. Par contre, ah, mais en fait j'ai bien géré, il faut que j'attende que ce soit au dessus de sa tête. Sinon ça le... Mais en fait sans le vouloir j'ai géré, voilà comme ça. Non vous voyez là ça va pas le toucher. Ah c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, j'ai géré sans le vouloir juste avant. Vas-y. Attention. Et hop là. Rip. Bim. Et là. Go. Go 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 go. Allez, dernière étape. Dernière étape et on sera bon. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Honnêtement, j'ai du mal à voir. Oh putain. Oh putain. Ah ça je peux faire un truc. Bim. Mais t'es nul. Mais t'es trop nul comme gars. T'es super nul. T'es mauvais de ouf. Mec. Bim, voilà, il est mort. C'était super facile. C'est impossible que tu arrives à me tenir tête. T'es qu'un minus. Bah ouais mais bon. Si tu crois que je vais laisser passer un tel affront, qu'est-ce qu'il va faire? Faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. Oula. J'ai une idée. Moi. Oui. C'est quoi ton idée? Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. Ok, c'était pas le vrai combat. Parce que j'étais vraiment en train de trouver que c'était pas terrible comme combat. Enfin, c'était rigolo, mais non, à mon avis, c'est un fail. Il va. Je sais pas. Et ça, tu l'as déjà sorti. Ah, t'as jamais vu un truc aussi énorme, pas vrai? Je te vois même plus. Peu importe. Puisque. Tu vas disparaître. Seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. C'était sûr. C'était sûr qu'en fait le combat était fini et que là c'était un fail. Ouais, voilà. Mais alors pourquoi le truc est tombé? Allez comprendre. Lâche! Lâche! Je m'en souviendrai. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. Du coup le clan n'est pas démantelé quand même. Et du coup, très bien, le truc apparaît comme ça. Style de rien. Le masque du tonnerre. Oh yeah. Montre-moi ça, vas-y. Du coup, il est pour moi, j'espère. Oh, stylé, masque du tonnerre. La relique Gerudo que vous avez reprise au Higas aurait le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez-en grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Rishu. Fais voir la tête qu'on a avec ça. Ah, c'est... Ah, je peux pas le porter. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Je croyais vraiment que j'aurais pu le porter, mais en fait, il s'avère que non. Bon, bah du coup, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose, là? Non, honnêtement, on va éviter d'aller voir là, je crois. Et du coup on va quand même aller voir là. Bon c'était un... Non ça va, franchement le repère des Higas c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé le principe. Ah oui alors par contre j'ai froid. Je veux juste aller voir s'il y a un truc. J'ai vraiment beaucoup aimé le... Oh, on va utiliser ça, vitesse neige. Apparemment on va plus vite comme il disait. Fais voir. Ah oui effectivement on va plus vite. Stylé. Stylé, stylé. Est-ce qu'il y a un sanctuaire et quelque chose ici? Détecteur Sheikah, sanctuaire. Ça m'étonnerait mais je veux juste voir où ça mène, si ça mène à quelque chose. Bon, en tout cas, on s'est fait masse banane. Ah bah si, sanctuaire. Masse rubis aussi. On est... Ah oui, ceci dit, on est là. Ah oui, oui. Bon, bah, attendez, le sanctuaire, il est... Il est par où? Il est... Oh putain. Attention. Il est... Ah, foutez-moi la paix. Il est là-haut. Vous m'avez fait mal. Vas-y, monte. Hop. Ah, là, le sanctuaire est par là, normalement. Mais... Où ça, je ne sais pas. Toujours là-haut. On va y aller. Je sais pas si on ira rendre le masque aujourd'hui. On est déjà à 30 minutes. Donc voilà, l'épisode va pas durer une heure comme la fois d'avant, hein, évidemment, les amis, vous en doutez.
Donc déjà on va quand même essayer, voilà, on va avancer, on va essayer de le trouver. C'est pratique, hein. Y a pas à dire Revali, c'est tellement le meilleur pouvoir et de très très loin. Ça y a vraiment pas à dire. Alors tu récupères ça. Et par contre le sanctuaire, toujours là pour vous. Toujours par là. Ah mais il est là le sanctuaire. Il est, enfin je pense, pour moi le sanctuaire il est là. On va voir. Est-ce que vous pensez que ça peut, ça le fait fondre? Ouais c'est bon, ça le fait fondre. Et le sanctuaire, on le voit. On le voit, on le voit, il est là-dedans. Attendez, je vais couper ça. Voilà. Par contre, du coup, faut vraiment... Ah, mais ils sont peut-être en train de le reformer. Donc, il faut les empêcher. J'arrive pas à les avoir. Bonjour. Vas-y, viens au-dessus de moi. Toi, t'es mort. Voilà. Tu refais ça. Et il est où, le deuxième? Je vois pas le deuxième. Il est là-haut. Vas-y, viens. Hop. Merde. Voilà, c'est bon. Bon, par contre, je suis obligé d'y aller avec ça. J'ai l'épée aussi, mais honnêtement, l'épée, ça me ferait chier. Vraiment, l'épée, ça me ferait vraiment chier parce que ça l'abîmerait des flèches, ça se rachète, c'est pas grave. C'est pas très important. Oh! Attendez, le temps que ça fonde. Ah oui, il y a plein de minerais en fait. Et sinon, on a, le brise-montagne, ça dure. Enfin, ça a une très bonne résistance en fait. Hein. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Donc, je pense que je vais aller récupérer toutes les armes des prodiges. Je pensais pas que ça aurait une aussi bonne résistance. Au moment où je dis ça, évidemment. Voilà. Mais sur le principe, vous avez compris. Et du coup, il faudra qu'on essaie de le faire réparer. Très honnêtement, il faudra qu'on essaie de le faire réparer. Alors, j'avais prévu de montrer la Master Sword aux deux scientifiques. Voilà. Sanctuaire de Q, Taka et tout. Aujourd'hui. Mais du coup je sais pas si on va faire ça aujourd'hui. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Mais on pourra faire ça la fois prochaine évidemment. Ou une prochaine fois, hein. C'est pas du tout un problème. Déjà on va voir qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire. Est-ce que c'est un sanctuaire je sais pas. Quel genre de sanctuaire ça va être? En fait c'est ça. Attention. Tadadum. Danger pour la glace. De la glace tu m'auras offert, le chemin te sera ouvert. Quoi? C'est quoi d'habitude, on n'a pas ça qui vient nous aider? De la glace tu m'auras offert. Genre je peux le soulever. Ouais, en gros il faut que je lui amène. Elle va fondre, non c'est ça? Non ça va, elle fond pas. En gros il faut que j'arrive à faire un parcours avec ça pour l'amener au bon endroit. C'est l'histoire, mais si je m'approche trop des flammes ça va fondre. Je sais pas. Attention. Lance. Merde. Je me suis fait le touche. Hop, ça va glisser en plus. Voilà, normalement, voilà, ça glisse. Ok. Soulever. Alors là. Là pour le coup. On va le poser. Est-ce que je peux le. Non. Mais je peux le faire glisser. Non plus. Est-ce que je peux le. Oui. Il faut le faire. En espérant qu'il parte pas en hauteur et qu'il glisse sur le sol. C'est ça que j'espère en fait. Est-ce qu'il va glisser sur le sol? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en sort. On s'en sort même plutôt bien pour le moment, étonnamment. Attends. Je peux pas faire de conneries, ça on va le rapprocher. Voilà. Tu le prends là, ensuite tu l'amènes comme ça. Nickel. Alors là par contre. Alors là par contre. Ah, je sais. Je pense savoir. Si c'est comme dans le temple qu'on avait eu il y a quelques épisodes. Non, je ne peux pas. Est-ce que je peux. Je peux pas couper. Ah. Il y a un chest là d'ailleurs. J'ai une armure anti-flamme. Il y a bien écrit anti-flamme. Hein, il n'y a pas écrit anti-feu. Est-ce que je peux passer immunité flamme? Oui, je peux passer. Alors déjà on va aller prendre le chest pour commencer. Voilà, qu'il y a là. Et ensuite on va venir, il doit y avoir un moyen pour ouvrir le truc derrière. Épée des glaces, oh, distance lancée, avancée, cette épée magique qui aurait été forgée sur les froides pentes fantomatiques des bras gèle l'ennemi au contact de son métal glacé. C'est la brille d'une lueur bleue. C'est cool, qu'est-ce qu'on va jeter? On va jeter... Ah, oh, ça me ferait chier de jeter un truc. Bah on va jeter ça. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à vouloir privilégier les armes... électrique, enfin pas électrique mais les armes qui ont des effets genre qui gèlent etc. Vous voyez, j'ai tendance à vouloir privilégier ça, c'est peut-être une erreur mais du coup à chaque fois que j'en ai une je préfère me séparer de ma serpe ou un truc comme ça. Je sais pas, je pourrais arc archéonique, non je voudrais l'épée. Attendez, je suis pas au bon endroit je pense. On va reprendre la photo d'ailleurs. Hop. D'ici.
Est-ce que tu peux prendre la... Il veut pas la prendre en photo. Comment ça se fait? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc qui s'appelle ça. Et ça. Comme ça au moins. Retirer. Là t'es obligé de me la prendre en photo. Voilà, là t'es obligé de me la prendre en photo. Va comprendre pourquoi des fois oui, des fois non. C'est très bizarre pourquoi. Je sais pas. D'ailleurs je suis sur l'arc du... L'arc archéonique, on va plutôt prendre l'arc royal. Voilà. Donc, vu que je ne crains pas les flammes, on va continuer. Et on va récupérer le bloc de glace. Par contre, comment le faire avancer plus loin? Je pense que c'est un interrupteur, honnêtement. Je vois que ça. Mais du coup, si j'ai pas mon armure des flammes, à ce niveau-là, bah je sais pas comment. Si j'ai pas mon armure anti-flamme, là je peux pas passer. Alors attendez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas pour nous. Nous, on peut passer. Ah ouais. En fait non, c'est pas possible. Comment je fais? Ah mais j'ai une idée. Putain. Je peux peut-être me servir de ça. Mais oui, je vais me servir de ça. Et du coup, si je le mets comme ça... Attendez, je crois que ça pousse le bloc non plus. Si je le mets comme ça... Voilà. Merde, je n'ai pas assez avancé. Avance un tout petit peu. Voilà. Tout bête. Tout bête, tout bête, tout bête. Et du coup ça va me servir pareil. Pour ça, ça va être chaud. Pour ça... Alors pour ça j'ai ma petite idée. C'est peut-être pas comme ça, mais je me dis que c'est comme ça. En fait ce qu'il faut faire, faut bloquer ça en haut, ça on est d'accord. Et merde. Oh. Attendez, quoi? Da fuck. J'ai pu le faire passer. Je voulais pas faire ça. En gros, ce que je voulais faire, c'était utiliser Cinetti sur le bloc de glace, le taper, et le temps que le chargement se termine, vite prendre Polaris pour bloquer les flammes, et ensuite lui il passe en dessous, vous voyez. Mais du coup, il passe. Fuck. Il a peut-être. Il a un peu diminué en taille. Est-ce que ça marche du coup? Faut l'amener où en fait? Bah, je te l'amène, tiens. Ça marche? Bah, ouais. Ok. Bah, ok, très bien. Très bien. J'ai tous les coffres. Oui, c'est bon. J'ai pas tout compris. Je préfère être honnête, j'ai pas tout compris. Mais bon, on prend. Non, franchement, on prend. C'est nickel. Et du coup, ça nous fait un sanctuaire en plus, mine de rien. Emblème du triomphe. Ouais. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bah, j'espère bien qu'elle va me protéger dans ma quête, la déesse Ilia. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et c'est étonnant. Je trouve ça vraiment étonnant de se dire. Wait. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce que... Voilà. C'est bizarre. C'est genre le truc est passé... Ou alors il est passé tellement vite que ça l'a un peu diminué mais pas totalement. C'est peut-être ça qu'il fallait faire en fait, je sais pas. C'était... C'est fort possible que c'était ça. Du coup, on va se mettre en... En flamme. Et on va se téléporter chez les Gerudo. Et puis bah, ça va être l'occasion pour moi de vous dire à bientôt, à demain les amis, puisque là on est, voilà, on arrive vers la quarantaine de minutes. Je pense que c'est le bon moment, on ira rendre le masque. Peut-être qu'on aura un souvenir, on va forcément avoir un souvenir avec la prodige comme tous. Je sais pas à quel moment, peut-être au moment du masque. Peut-être que le masque va être le truc qui nous relie. Et qu'en le donnant, on va nous parler d'un truc qui va nous faire oh, c'est vrai, je sais pas, c'est possible, c'est une supposition. Bref, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup kiffé cet épisode. Le repère des Yigas était très 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 sympa. Franchement, c'était un des meilleurs épisodes, j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai vraiment adoré cet épisode avec les Yigas. J'ai trouvé ça vraiment génial. Bref, sur ce, je suis de retour à Agrabah. Du coup, d'ailleurs, faudrait peut-être que j'explore ça à un moment, hein, tout là où j'y suis toujours pas allé, faudra qu'on explore. Je vous dis à demain pour la suite. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires, d'astuces et de pouces bleus. Je compte sur vous pour péter les 10 000 likes comme d'habitude. Vous êtes super en tout cas. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à cette aventure. Et on se dit à très vite. Bye.